je viens de présenter les cartes de créance, je viens d'arriver en Haïti, ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois que je suis ici, enfin la troisième. J'étais comme attaché aux affaires de coopération technique et consulaire pendant le 2007 à décembre 2010. Je suis très content, très heureux d'être ici dans votre pays. On a parlé avec les présidents de différentes affaires de la relation bilatérale, de la situation en général. Il est très bien informé et j'espère qu'on pourra recommencer toutes les affaires de coopération et d'amitié. Comme vous savez, ça, l'Haïti, c'était le premier pays qui a reconnu l'indépendance de l'Argentine il y a plus de 200 ans. Et bon, ce sont des liens très importants culturels, mais on espère qu'on pourra avoir des liens plus approfondis dans les prochains, pendant mon ambassade. À quel niveau constitue votre relation avec Haïti? Moi, je suis le premier supporter de que cette relation monte à un très haut niveau. Moi, je suis l'ambassadeur ici, c'est mon travail de travailler pour ça. Comme vous savez, maintenant, en Argentine, on est en train de changer le gouvernement. C'est le 10 décembre, on va changer la colorature politique du gouvernement. Mais ça veut dire que la coopération et les affaires vont s'approfondir. C'est une opportunité pour nous tous. Avez-vous abordé un point en particulier avec le président? Il m'a montré qu'il est très bien informé sur les besoins de coopération, exactement dans les affaires d'agriculture. On avait un projet très important, le Pro Huerta 2005, je crois que 2015. Il était dans toute la géographie haïtienne. J'avais l'honneur d'être là-bas avec ces projets. Et on va voir la possibilité avec l'amélioration des semences et les affaires avec les nouvelles cultures à partir de l'énergie pas conventionnelle et sustainable surtout. Et voilà, c'est un peu ça. Et aussi sur les autres possibilités de coopération entre les deux pays. Merci. Merci à vous. Merci. Thank you.